fait toujours plaisir de voir des artisans engagés, passionnés, qui cuisinent, qui choisissent des bons produits, qui mettent en valeur le terroir. Le prix Goût et Santé, c'est l'un des seuls prix aujourd'hui qui met aussi en valeur les artisans de France. On a la possibilité d'avoir également des meilleurs ouvriers de France qui peuvent s'y présenter. Et c'est surtout un prix qui met l'accent non seulement sur le goût, mais aussi et surtout sur la santé. Ce que je retiens de cette finale et du prix Goût et Santé, c'est d'être reconnu. Ma mère et ma grand-mère m'ont donné goût à la cuisine et je trouve que remporter ce prix, c'est un remerciement pour eux. Je pense que la différence, elle est basée sur l'originalité du produit. C'est plus qu'un engagement, en fait, ce prix Goût et Santé envers les artisans. C'est notre ADN, c'est notre MAF façon d'être. Le jury l'a bien expliqué, il dit que c'était bien équilibré entre les herbes, les légumes, les fruits, on sentait bien tous les éléments. Et je pense que quand on est dans un concours, le fait de goûter beaucoup de plats en un peu de temps, forcément, le fait d'avoir un sorbet, ça rafraîchit le palais et je pense qu'on a gagné des points aussi de par le format. Donc c'était pour montrer que oui, on peut faire des choses un peu drôles en tant qu'artisan glacier et de ne pas rester dans les classiques vanille, chocolat. En tout cas, c'était un moment extrêmement touchant, attachant. Et ce qui me fait continuer à aimer mon métier quand je vois autant d'implications.